Mais du coup, c'est le terrain tout, tout nito. Tout. Attends, putain, j'arrive pas à dire le second mot. Tout nitrant. Et du coup, les 15 autres, ils sont bien ici. Donc, c'est-à-dire qu'on a 3 niveaux sur celui-là avec le boss, je pense. Avec plusieurs étages. Sauf si, bien sûr. Ah ouais, c'est bien les 5. Le vendeur, toujours là. Putain, c'est du parcours à faire. Et là, le plus haut, là. Après, j'ai pas vu les détails de la recette hein, du parfait. Hein. Après, attends, je suis en train d'y penser parce que s'ils ont dû faire la même chose à l'anglais, c'est perfect en anglais du coup. Du coup, ça serait quoi? Ouais. En vrai, plaine, ça va, c'est, je peux comprendre, mais après les autres, ce serait E, R. F. Ouais, 4, en vrai, ça peut faire un truc, hein. Pauvre Kirby, il fait tout le seul travail. Après, c'est un truc classique des personnages de jeux vidéo, hein. C'est-à-dire que un inconnu te dit arrive, fait des trucs, et toi, que tu sais pas de qui c'est, etc., tu dis bon, je vais l'aider, quoi. Je vais l'aider, c'est. Je le connais pas, mais je suis super sympa. Et c'est ça qui est bien avec Kirby, c'est que. Il peut être naïf à tout, quoi. Hop là. Oula. J'ai voulu faire comme dans les films d'action, genre, je vais l'activer au dernier moment. Oula, la clé. Ça va être très important, la clé. Alors, juste pour vous dire, il est mort, hein, lui. Très clairement. Hein. Il se balade, il fait... Lolololol. En vrai, je fais ça, mais ça sert pas à grand chose le fait que je tournoie comme ça. C'est mieux quand par exemple il y a des ennemis qui arrivent en haut, mais. Bah putain, il était très rapide celui-là. Bon, après, j'ai spam aussi, hein, je vais pas vous mentir. Bah attends. Ah, ok, je peux passer, ok. Bon, bah. Après, c'est logique, hein, bien sûr, hein, c'est. Vu que j'ai le pouvoir de l'eau, le feu, bon, je m'en fous un peu, quoi. Alors. Faut bien que je réussisse le truc. Ça a l'air assez simple pour l'instant. Ah oui, bon, là. Allez, je rajoute une petite difficulté, je rajoute un petit saut à faire. Hein. Ah, quoique, j'aurais pu le faire sans. Parce que là, je viens d'arroser une case en courant, donc. J'aurais pu peut-être faire un truc comme ça, mais bon. Pour la sécurité. Ah, quoique peut-être que... Bon, je vais prendre quand même le fouet. De toute façon, quand il montre un pouvoir, j'aime bien le prendre en avance comme ça. Ouf. Il y a eu le démon qui est sorti là. Quel type de démon c'est ça? Ouh, attends. Non, je voulais le prendre à la main comme ça, genre. Hop là, le hot dog. J'ai pris le hot dog de Astéro. Vite, prochaine vidéo sur YouTube, j'ai voulu le hot dog de Astéro. Bon, après, pour ceux qui ne savent pas la référence ou quoi, c'est parce que, en gros, j'étais sur Fall Guys, en stream, et là,
y a Astéro qui est venu dans le chat. Donc du coup, moi je lui dis tout simplement, hey, Astéro, ça te dit de jouer à Folies, etc. Et du coup, bah, il s'est ramené. Et il était en train, il me disait en MP, oh, je suis en train de bouffer deux hot dogs, désolé, j'arrive. Donc voilà. Comme ça, vous saurez que Astéro, il bouffe des hot dogs la plupart du temps. Alors oui, attends, ça va être très difficile, ça. Surtout que si on me gêne déjà avec ça. Ah oui. Là, je traverse. Franchement, je serais capable de laisser un loop de ça avec ce petit bonhomme qui marche. Hop là. Ouh. Alors attends. Active. Pas active. Active. Bah oui, bah là, attends. Ok, ah oui, d'accord. Non! Oh le con. Oh le con. Ah, j'espère que je pourrai recommencer du coup. Parce que là, j'ai fait une énorme connerie. Non, après ça va, le jeu est quand même sympa. Je crois que si tu t'en vas ou quoi, tu peux revenir rapidement sur le truc. Donc, ça va. C'est plus quand tu changes vraiment de monde. Si tu si t'as loupé un seul truc, t'es obligé de revenir en arrière. Mais ok, alors, attends. Du coup, j'active. J'active. Je désactive. J'actionne. Ah oui, d'accord, attends, ça c'est... Putain, j'aurais dû l'actionner au bon moment. Oh putain. Non, putain. Bon, ok. Il faut pas être trop rapide, du coup. Eh, prenez un ennemi qui est assez compliqué quand même, hein, parce que... Parce que savoir lesquels il faut activer au bon moment, etc. Parce que moi je suis un quelqu'un qui est assez dans la logique très rapide, mais là. Ok, alors. Ouais, donc ça il faut attendre. Donc ça il faut que. Ah, attends. Ah merde! Je sais pas quand le jeu me prévoit à l'avance que je vais foirer. Parce que ça, c'est le genre de truc. Qu'il faut pas quoi. Parce que moi je vais essayer, je vais dire ah c'est bon, je sais c'est quoi. Et finalement bah karma. Mais bon. Active. Active. Pas active. 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 J'attends. Ouais, il faut vraiment que du coup il soit vraiment genre là. Voilà, et là du coup, voilà, là c'est bon. Tiens, je fonce sur toi. Et bon. Ah, il est quand même généreux le jeu, il me ramène tout de suite à la case départ pour gagner plus de temps. Ah, le pouvoir de la glace dans la lave. Attends, j'ai failli le défoncer alors que je... Yes. Ouh. Hop là. Ok, c'est pas la grosse étape encore. Enfin. Donc, faut que je réussisse à l'avoir, quoi. J'ai pas cassé ça. Putain, j'ai des balls pour le faire, hein.
Oh! Sans le vouloir. Hein. Et hop là! C'est comme ça qu'on fait le Mont Blanc, les gars. Le dessert, bien sûr. C'est comme le parfait, là, ça va être le... Maintenant, ça va être que des desserts, hein, ce que je vais dire. Oh la vache. Putain, il est assez rapide déjà, là. Non, c'est bon. C'était juste, quand même. Allez, passe, s'il te plaît. Passe. Ah, putain, plus vite. Ah merde. Vite, vite. Mince, mince, mince. Non! Putain. C'est... Putain, j'aurais dû m'arrêter sur la première case en vrai. Mais j'ai eu peur, putain, je savais pas qu'il y avait une plateforme en dessous. Pas grave. De toute façon, on peut revenir à nouveau. Hop. Je pense que c'est limité en vrai. Enfin, c'est limité le. Ce truc là en vrai. Je suis en train d'y penser. Là, tu sais quoi, je m'en fous, je traverse. J'aurais peut-être pu gagner plus de temps, mais ça, c'est juste pour gagner vraiment plus de temps. Et j'ai eu peur quand même, je me suis dit, bon, je prévois quand même le saut, mais... Ouais, alors attends, c'est bon. Putain, il faut être assez... Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêche-toi, là, j'ai... Non! Oh oui! Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un truc comme ça, putain! J'avais tout simplement oublié que si je devais attaquer... Tiens, un petit sommeil. Je vais me régénérer un peu. Non, ça régénère pas, rien du tout. J'ai juste profité à rompiche, c'est tout. Oula, je m'attendais pas à ce coup-là. Ah mince, je pensais l'avoir. Hop là, très très rapide. Hop là, toutes les sphères. Ah. Bon, plus que 10 sphères pour l'instant. Plus que 10. Allez, le retour du 1. Étape 2. Défi L. Défi L plus ratio.
Ah merde, je voulais l'attaquer, ça n'a pas marché. Même pas peur. J'ai perdu le pouvoir, bon, pas grave. Je me transforme en foudre. À moins rigoler. Voilà. Je voulais. Je pensais que c'était à moi d'activer, mais finalement. Putain, ça me rappelle les niveaux de Mario Bros. Aussi, où c'était le même principe, mais sauf que les cailloux qui étaient dans, sur la plateforme restaient. Du coup, fait que tu survis assez longtemps sur ce genre de truc. Hop. Non! Ah putain. Trop gourmand, trop gourmand. J'aurais dû prévoir autrement. Ninja. Il y a pas de blague, tout ça. Ouh, attends, il y avait... Eh... Hey. J'avais vu la petite porte là, à droite, là. Mais j'ai eu peur de savoir de pas savoir comment y aller. Ouh. Ah oui. Ah oui, par contre, là, on est vraiment sur du pixel, là. Alors. Ok. Bah, c'est réussi. Après, dans tous les cas... Ah oui. D'accord, c'est... Du coup, c'est pour ça. Oula, vache. C'est bon. Oh putain, ça a l'air assez stressant. Ouais, c'était stress... c'était trop... C'était assez difficile de passer par là rapidement parce que là, c'est... Ah, peut-être avec le super saut. Ah bah oui, bah non, allez, il présente ça au début, mais... Moi, j'ignore tout simplement. Hein. Ah bah, yes. J'ai essayé de faire au bon timing, ça n'a pas marché. Je commence à perdre mes petites vies vite, là. Je vais faire comme ça maintenant, ça sera plus simple. Et là, du coup, ouais, là, ça va être une histoire de timing. Hop là! Ouh! Bah, j'ai bien fait de passer par là. Allez, pas le temps. Bon, pas grave si j'ai pas pris le milieu, de toute façon, c'était pour des points. Si c'était en encrenage, là j'aurais. Là j'aurais fait pitié. Ah oui. Alors attends. Faites très attention quand même. On essaie de traverser là. Pas assez. Pas assez. Ah, d'accord. Ça s'arrête ici. Je vois.
vérifie quand même s'il n'y avait pas. Voilà, on sait jamais. C'était juste pour des points, donc. Si c'était un engrenage, j'aurais été un peu plus sérieux. Attends, je vais lâcher ça. Hop là, le ticket, c'est quand même important. Vite, vite, vite. Vite, 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 vite. C'est bon. Le marteau, bien sûr. Après, j'ai quand même ça, hein, donc... Oula, j'ai eu peur de perdre le pouvoir, donc... C'est parti. Ah. Bon, écoute, ça marche bien, hein. C'est... Pas d'effort, mais bon... a fait au moins son mieux. Tu mérites une correction. Oh. Alors du coup c'est lui. Alors après je sais pas combien. Ah. Lui ça a l'air de... Voilà. Faudra pas que je foire sur le dernier du coup. Sauf si je décide de clamser plutôt. Alors. Ouais, on va faire. Ok, là c'est 1. Du coup, là c'est aussi 1. Et l'autre là, ça m'a l'air 2. Il manquait un petit coup. Ah oui, d'accord, ça m'ouvre ça. C'est une salamandre, je crois. Je suis pas très bon en animaux, donc j'espère que c'est une salamandre. En tout cas, ça m'a l'air parce que le fait qu'il est comme ça. Hop là. Bon voilà, je pose ma manette, je me craque un peu les doigts. Voilà, c'est du pré-shot aussi, savoir où j'allais tomber donc. Et là, ça va être plus dur parce que, évidemment. Rentre. Allez, on prend le sacrifice. Non, pourquoi j'ai sauté? Vite, descends plus vite. Ah putain, bah oui, bah je peux pas savoir, je sprint aussi, moi je suis fast. Je suis la vitesse, comme dirait Flash McQueen. Ouh putain. Ah, une bouteille de lait pour me réconforter. Ouh, j'ai... Je suis quand même assez chaud. Hein.
Dépêche, 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 dépêche. C'est bon. Tiens, on va prendre les feuilles pour changer. On va être un peu écolo. Hop là. Et hop là, toutes les sphères aussi. Mais je pense que ouais, ça va être comme ça dans chaque... Chaque dernier niveau, ça va être vraiment une compilation de juste... de tout et... voilà, on termine avec ce qu'on a, quoi. Ce qu'on a au plat, quoi. Ah oui, c'était à droite. Petit réflexe. Ah, les salauds. Salauds ninja. Oula, c'est bon. Ah, troisième 3. Pas trop grave. Étape 3. Ah, Dojo Ninja. Bah du coup, on a tous les mini-jeux, on a tout, et bah maintenant, celui-là, il va permettre à compléter tout ça. Ouh, juste. Juste quand même. Allez, pour faire plaisir à Prover, je vais prendre son mail. Ah bah, hop. Je me suis dit, allez, c'est possible qu'il y ait un truc. Et finalement, bah... Hop là. Bah, attention quand même. Ah oui, d'accord, ça détruit aussi les obstacles de là où on marchait. Ok. Ouh, j'ai pris un petit risque quand même. Non! Je voulais faire un... ouais, je fais les techniques de smash là, je... Bon, bah, pas rester longtemps le pouvoir de Prover. L'hommage un peu détruit. Hein. Alors, on va slide un peu, comme ça, on va gagner un peu de temps. J'ai vu que ça faisait longtemps que j'ai pas écrit... Ah bah t'es discret, en fait t'es sous les émotions aussi de voir la... Peut-être la fin, hein. Ah, dommage, j'aurais essayé. Oh, il y avait une maxi-tomate. Bonne maxi-tomate. J'étais en train d'observer. Il est en train de faire son... Il est en train de faire ses... Comment dire ? Son spécialiste là, il analyse et tout. Là. Ok, ça va, pas trop compliqué ça. Hop là. Ouh, c'est assez spécial celui-là. Ah, trop gourmand.
On sait jamais, hein. Peut-être qu'il y en a un caché au-dessus là. C'est parce que maintenant avec Star Allier, vu que je faisais des runs tout le temps pour gagner le plus de temps possible, à chaque fois ça me crispait le fait que j'ai oublié un au moins. Tiens, je vais prendre la neige. Hop, pour changer. On sait jamais s'il y avait peut-être un truc à. Ah bah non, c'était juste pour un boss. Tiens, bah dis donc, t'es de plus en plus connu toi, dis donc. En plus, moi vraiment, je pensais que lui, il était assez original. C'est ça le truc qui est vachement drôle avec quand t'es dans une, dans, quand tu joues une génération de Kirby, etc. C'est que tu sais que celui-là, il est peut-être pas celui de base sur lequel tu joues, par exemple Planète Robot. Et finalement, bah c'est celui-là. Attends, je me suis couru quand même. Ah, pour les points. Ah mais je te connais toi. ouais, par contre, j'essaie de. Non, okay. Je pensais qu'il y avait un passage secret, mais j'ai peur que je loupe un engrenage là. Là, c'est possible que là j'ai perdu un engrenage là. Là, parce que c'est la dernière ligne droite, mais. Surtout que là, il y en a 5. Hop. Le parasol. Le meilleur objet de l'univers, bien sûr. Ok, le. Alors attends, je fais sûr. Ouh, là il y en a une là. Ah non, c'est juste pour de la viande. Pas grave. La viande c'est bien quand même. Ouh, ça c'est pour une vie ça. Ouh, c'est risqué. Voilà, calme-toi. Hop là. Oui, je crois que t'en as loupé un. T'en avais un au sol que tu pouvais traverser. Oh là. Ouh là là là. Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Là, tu... je vais devoir revenir en arrière là. Mince, j'ai essayé de me protéger quand même au cas où. Enfin, à voir, oui, à voir, bien sûr. Ouais, là c'est. Ah, ok. Celui-là, je pense que ça va définir si j'ai loupé un ou pas. Ouh, j'ai un peu dans le stress là. De devoir recommencer. Oula. Ah oui, je peux marcher. Ok, je savais pas moi. J'avais zéro sur ça. Hein. Franchement, je suis invincible avec ça. Hop là. Merde, je voulais pas enlever. Bon, pas grave, le parasol. Reviens, s'il te plaît. Merci. Est-ce que vous connaissez un jeu vidéo auquel. True Ending 100%, First Try 100% classique. Merde, j'ai vu le message de Blood. Ça m'a déconcentré. Oh putain. Ah voilà, bon, j'ai vu la blague de Blood. Là. Ah putain. J'ai essayé quand même. Je me suis dit, il y a peut-être une technique speedrun. C'est tout là. J'ai essayé d'être plus rapide là. Déconcentré par les émotions. Hop là, j'ai de la chance. En plus, je suis en train de me dire dans la tête, ce serait bien qu'il y ait une émote émotion pour rigoler. Mais je vois pas comment je pourrais le dessiner, avoir l'idée dessus, quoi. Parce que là, par exemple, j'ai déjà pas mal d'idées après le 10 mars pour que... oula. C'est vrai que je peux sauter là-dessus. Pour que justement la personne à qui il fait mes émotes, etc., puisse tout simplement m'aider. Mais voilà. Ok. Ouf. Pour l'instant, ça veut dire que j'en ai pas loupé une. Pour l'instant. Peut-être que la théorie de savoir que ça me met à la deuxième place, ça peut être autre chose. Mais à voir. Ouais, ouais, allons-y, hein. Faisons ça pour rigoler.
Non, je voulais les... Ah, fais chier. Ah. Oula, lui. Hop là. Alors oui. Mais après, qu'est-ce que je fais avec cette clé? Je peux l'embarquer? Bon, déjà, je peux l'embarquer. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant... Ah oui, d'accord. Là, par contre... Là, je vais me faire poursuivre, là. Oh non, c'est bon. J'ai toujours la... Ok, lui va me poursuivre. Ouh la vache. Ouh la vache. Ok. Ok. Alors, oula. Ok. Ok, ok. C'est stressant à tout moment. Oh, c'est bon. Wouhou. Yippie. En vrai, si le prochain, c'est un truc du super pouvoir, parce qu'il y a forte chance, hein, parce que là, ça fait trop longtemps que... Alors, déjà, il y a un... Et voilà, c'est le super pouvoir. Voilà, je le savais. Allez, le 100% qui va être refait. Sauf si je meurs comme un gros caca. Et d'abord, je vais le défoncer, lui. Même s'il est sympa, mais bon. Ça doit être une chimère, oui. Voilà. Ah putain, il m'a fait peur le salaud. Tiens, punition. Tiens. Hop là, les deux pour le prix d'un. Ça aurait été trop drôle que j'arrive à taper de là où j'étais. Toujours pas de... Ça doit être au-dessus. Je vérifie s'il n'y en a pas d'autres. Alors, j'ai entendu un bruit, mais je sais pas. Ah, ok, c'est eux. Ouf. La hitbox de où il a été touché, pas légal, hein, je dirais. Bon, bah, désolé, Bunker. Hein. Yes, un ticket, c'est tout ce qu'il me fallait. Bah toi je te connais. Hop là, t'es mort. Toi je te connais aussi. Arrêtez de vous faire être connu là. Attends, je coupe. Eh, s'il est ça. On apprend de ce qu'il y a à l'intérieur dans un volcan. Même si dans la vraie vie, bon... Si tu rentres dans un truc comme ça alors que t'es, c'est un volcan, tu meurs. Même s'il y a un portail ou quoi, tu vas mourir. T'as plus de chances de mourir que survivre. Allez, le 100%, il arrive, il est tout proche. Alors attention, c'est le 100% au moins de l'histoire principale, on va dire. Ouh, c'était un peu juste, hein, j'ai... Bon, celui-là... Allez, par contre, lui... Ah, mince, j'en ai pris deux. Oula, j'ai pris deux. Mais c'est pas grave, je suis quand même très très fort. Ouh, c'est juste juste à chaque fois. Bon, lui, je peux pas enchaîner, hein. Là, c'est un peu de trop, hein. Allez, dépêche-toi. Ah, vite. Je pense pas qu'il y ait un portail intermiocène maintenant à une chimère formée par des sphères d'énergie dans un volcan. Après, je suis pas sûr. D'après des sources, hein. Oh, c'est stylé ça. Attends. Vas-y, j'ai une idée. Je masque pour l'écran, voilà, je lis juste le chat. Donc, du coup, Blot, tu me dis juste quand je saute, ok? Voilà, comme ça, on va faire un peu interaction chat Twitch, là.
Ok, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Prover est dans la place. Et je marche comme un badass, quoi. Je cours même pas. Je prends mon temps. Ah, il y en a deux. Allez, saloperie. Ok, une de moins. Ouais, on dit bien une chimère. On dit pas un chimère. Shoryuken. Bon bah voilà. Touchez qu'une seule fois. Et voilà. Le 100% fait. Mesdames, messieurs. First try à tout. First try à tout. Il y avait juste certains où c'était difficulté. Une fois auquel j'ai dû vérifier si je me suis pas trompé dans un truc. Mais c'est tout. Parce que bon, on va dire triche triche entre guillemets, c'est parce que je me suis dit tiens c'est ça, et finalement j'ai juste enregistré un replay juste pour revenir et pour revoir si j'avais raison. C'est tout, c'est tout. Ah bah la main de Prover, tout était lié. Et première place en plus. Première. Ouh. Quel monstre je suis. Bon après je pense que j'ai perdu pas mal de vie. Limite je pense que je pourrais rigoler un peu. Mais vu qu'il y a 85, je me dis que j'aurais perdu peut-être 15 vies en total. Je pense. Parce que c'est possible que je sois lié et que j'ai au moins fait 100%. Bon bah c'est la fin du jeu. Il reste plus que... quelques artifices, mais bon. Mais bon. Ah. Que Kirby. Ok, ça veut dire tout simplement sans pouvoir ou quoi, ça va être vraiment ça. Allez, maintenant, l'heure du boss. Attends, je prépare aussi ça pour les cinématiques, etc. Parce que je pense qu'il y aura des cinématiques qui vont arriver. On va laisser l'attaque de Prover, quand même. Ah, c'est dommage qu'ils n'en proposent pas d'autres. Hein. Bon, après, tu me diras, c'est un allié... Il faisait aussi la même chose. Hein. Ah, attends, cinématique. Ah, gros roux, je suis un dragon. Je connais ça, c'est un gameplay à la Dina Blade. Je connais. C'est reparti pour le combat. Le grand méchant, pas si méchant. Hey, oh, il a une couronne. Hein. Sois sympa avec lui. Ah bah d'accord, c'est pas trop ça ce que je voulais faire de base. Je voulais juste au moins... Je vais le comboter un peu comme ça, moi. Ah oui, d'accord. Attends, je veux. Ah mais des fois il le veut, des fois il veut pas ça. Ah oui. Ah mais ah ah dommage. Je pensais qu'il allait plonger. Aïe. Tiens, je le comboite un peu. Mon Dieu, ils étaient. Oh la merde, j'ai failli prendre un risque quand même. Proche de la mort, mais aussi proche de la victoire. Bam. Quand tu fais l'attaque vers le haut, tu as une frame d'invisibilité. Ouais, il y a des frames d'invisibilité, j'avais compris ça vite fait. Mais waouh, quel combat.
Bravo Kirby, tu mérites vraiment ta réputation de héros. Tu m'as apporté une aide inestimable pour triompher de Landia. Ah, enfin elle est à moi. Quel jeu d'acteur. La source du pouvoir infini, la couronne suprême. Depuis le début, je n'avais d'autre but qu'obtenir cette couronne. Eh bien, vous avez l'air perplexe. Bon, laissez-moi vous expliquer. J'ai affronté l'India moi-même et il m'a vaincu. J'ai donc trouvé le repère, j'ai pas eu le temps de lire le putain de texte, donc j'ai une idée. Tu te laissais affronter l'India à ma place, une idée de génie, si j'ose dire. Tu m'as même aidé à réparer mon caléronef, une attention charmante, vraiment. Quoi qu'il soit, moi, le temps est venu pour ta planète. Que dis-je pour l'univers tout entier de s'incliner devant mon pouvoir? Et pour te récompenser de tes efforts, la planète Pop sera ma première conquête. Habitants de la planète Pop, préparez-vous à accueillir votre maître. Je me suis bien fait baiser. Kirby Alors, du tout, il avait le bras quand même. Il était dit, allez, je suis prêt. Voilà, c'est cinématique quand il montre tous les personnages du jeu qu'on va jouer, mais sauf que quand t'es solo. Dimension parallèle. Ah oui, attends, attends, il faut que je vois les combos. Bon, par contre, je préfère vous le dire. La dernière VOD qui sera celle-là, il sera content au double, hein, je préfère le dire. Sauf si j'arrive à faire un truc, mais à voir. Allez, petite saloperie. Aïe! Attends, je vais lire comme ce que tu dis pour Blood. J'ai failli taper le pro. Oh tiens, quoi, je me demande à quoi ça, bien à quoi ça sert. Maintenant que tu as fait toute la sale besogne, j'ai un pouvoir assez conséquent pour te détruire tout et tes amis. Ah oui, toi et tes amis. Aïe, je veux le fruit, moi. Merci. Après, les personnages avec les yeux jaunes comme ça, j'aime bien. Après, ça dépend des amis, mais vraiment, complet jaune comme ça, c'est pour ça que j'aime bien Magolor. Juste pour ça. Mais aussi... Que en fait, depuis le début, Magolor, c'est... Parce que bon, vous savez, comme Bibi et comme pas mal de Sickman, Mal, il y en a qui font en OMG, Is Literally, avec des trucs de Walter White ou de Patrick Brutman ou des trucs comme ça. Mais moi, Magolor, c'est littéralement Mi, hein. Magolor, c'est ma pépé sur Switch en plus. Bah ouais, bah moi justement, vu qu'il proposait des trucs, etc., bah je le mets souvent en PP, quoi. Pour te dire, vraiment, je mettais Kirby, et après, vu qu'il y avait Magolor, je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas. Et ouais, du coup, vous savez quelque chose, Magolor, c'est littéralement moi, en fait. Mais je fais pas des grosses coups de pute comme ça, quand même. Hein. Je peux faire des coups de pute, mais c'est des coups de pute family friendly, quand même. Genre, je vais pas dire, bon, allez, je vais détruire Paris, là. J'en ai marre de tous ces gens-là. Après, je trouvais que les... Bon, après, là, pour l'instant, c'est assez simple, mais bon. À tout moment, ça peut être compliqué, quoi. Ah, c'est vrai que je peux charger. J'avais... Je me suis dit, est-ce qu'il y aurait une charge ou pas? Ouh, c'était risqué, ce que j'ai fait. Je vais prendre un peu de mon temps, cette fois-ci. Et One O'Clock, tu sais pas, gamin. C'est moi, Walter White. Après, bon, Bibi, il a fait quand même le truc... Il a fait le calendrier de Sickman et apparemment c'est Walter White. Moi je suis Patrick Prutman apparemment.
Vas-y, j'active le lore. I am the ships. Oh wow. J'ai la ref. En même temps, elle est excellente cette vidéo du résumé du jeu hein, de base. Du coup, j'avais fait même une émote, etc. Et très très drôle. Ah putain, je savais pas si il y avait ces attaques là. Mais c'est bien que du coup, ça montre que tous les équipements qu'on prend avec le lore, ils sont servis comme attaque du coup. Ou un peu de sensé, ça fait pas de mal. Ah, trop gourmand. Ouh. Je sais pas si je pouvais l'attaquer dans le coin, mais bon, j'ai gardé la charge quand même, comme ça. Bon, lui, il va faire le tour. Voilà. Je pensais qu'il allait refaire un second tour, quand même, au cas où. Ah, putain. Trop gourmand. Ouh. Ah, dommage. Grave, le coup final. Hop là. Le lore tombé. Ah, putain, ça fait chier. Bon, mais... Magolor, il a pas compris que si on peut tabasser Landia avec la couronne, on pouvait aussi le tabasser, même si... Attends, il y a la CET. Allez, les amis, niquons-lui sa mère, lui. Oh non, le roi des Idous s'est fait toucher. Quel bâtard quand même, Kirby fait. Oh non, il s'est fait toucher alors que bon, il s'est mis derrière Métané quand même. Ah, quand même, quel salaud ce Kirby quand même. Oh là là. Allez, c'est l'heure du combat final. Et là, il y a tous les pouvoirs normalement. Non, c'est faux. Ah, il y a quand même un aléatoire. On va pas prendre l'aléatoire, hein, J'ai la tenue parfaite pour le combat, quand même. Très banger en plus, la musique, hein. Du combat. Je pourrais pas dire si c'est la meilleure des meilleures de toutes, mais elle est bien. C'est vraiment un duel combat très épique et tout. Hop là, déjà la moitié. Ah oui, c'est le portail. Non. Vite. Voilà, il faut que je fasse attention quand même, mais... Ouais, je peux l'attaquer comme ici, finalement. Putain, c'était plus dur quand j'étais petit, hein. Alors, attends. Wow. Allez, Falcon Punch! Ok. Je vois le type maintenant. Hein. Apporte-moi tes meilleurs champions. Ok. Je vais t'enflammer. Voilà, j'enlève ces ennemis-là sur le terrain quand même pour être tranquille. Parce qu'ils allaient quand même me toucher. Hein, donc. J'ai fait un petit ménage. Et hop là! Bam! Tu t'enflammes un peu trop, mon petit Magolor! Allez, tentative des petits jeux de mots sur ça. Non, j'ai raté. J'étais gourmand.
Hey, tu fais une mèche là ici. Là c'est vraiment parti pour que j'essaie. Ah non, il m'a enlevé le pouvoir du feu. Putain, je peux plus faire les blagues sur la flamme. Merde, j'ai pas de blague sur l'électricité. Eh, hey, t'étais pas au courant, toi, de ça. Ah, c'est encore le trou noir. Mais sinon, pour répondre à ta question, Blood, pour ton avis sur qui gagne entre Magolor maléfique et Mars formant en dieu, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, je dirais. Parce qu'il faudrait voir ce qu'ils proposent comme attaque tous. Bon, attends. Eh, hey, lâche pas la prise, mec. C'est ce qu'on peut appeler un coup de jus. Putain, j'aurais pu faire cette blague aussi, mais ma blague était encore plus, est encore pire, quoi. Bon, bah là, je vais devoir faire une référence à Ken le survivant. Ah, bah désolé, le monsieur le serpent, je voulais te laisser en vie, mais t'étais sur le chemin. Technique du couteau à manger. Parfait, en plus avec l'âche. Tiens, je vais voir si... Ah ouais, je peux quand même le faire. J'avais oublié cette phase. Je vais tout couper en rondelles. Ou ma voix. Momo Shideru. Nani. Happy point quand j'ai dit Nani. Très très badass le cœur. Et ben voilà. Attends, cinématique. Yeah, we did it. Now I'm gay. Oh no. Parfait. Du coup, forme encore plus maléfique comme ça. Ah. Putain, il a kidnappé Prover. Ah d'accord. Oh bah. Eh, désolé, pas désolé, j'étais en... Eh. Marcel, là. Oula. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok, ça allait au-dessus aussi. Donc, j'ai bien fait de vérifier quand même. Par contre, j'ai plus beaucoup... Attends, je vais prendre ma boisson. Et va me servir à quelque chose, cette boisson. Alors, oui. Oh. Non, je voulais être encore shield, mais ça n'a pas marché. Putain, j'ai pris tellement cher. Ah, je vais peut-être mourir dès le... Dès sa nouvelle forme, donc. Oula. J'ai bien fait de, quand même, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Oula. Bon, bien fait. Ok. Ça va, j'ai réussi quand même à faire la moitié alors que je suis très rouge. Hein. Si je réussis du premier coup, c'est quelque chose. Oula. Il a deux épées. Là, vous avez remarqué, il a un œil dans sa bouche, MDR. C'est drôle, ça. Pas du tout comme si c'était un des principaux avantages dans Kirby. C'est-à-dire que tous les ennemis, c'est possible que ce soit des yeux. Oula, attends. Ouah, c'est l'attaque du dragon. Le dragon. Ah, le bâtard. Je m'attendais pas. Ouais, là, c'est encore plus risqué parce que j'avais peut-être encore une chance de survivre, mais là, c'est assez... Oh, de la santé. Alors, peut-être encore une chance de survivre. Ah, faut que je... Oula.
Ah, attends. Ok, c'est bon. Ah oui, attends, par contre, là, il a pris... Juste attends, quand même. Ah, attends, c'est quel pouvoir, là? C'est... Ouais, c'est les... Ouais, c'est le... Bah oui, mais là, c'est... Là, je prends cher, évidemment, parce que il me met dans le coin, là. Il s'est dit, tiens, il se met bien dans son coin, là, je vais bien le baiser. Quel fils de pute, ce Magolor, quand même. Oui! Tout du premier coup, mon gars. Tout du premier coup. First try à tout. First try à tout. Le 100%. Magolor. Bam, tout 100%, mon gars. Bam, bam, bam. Dab, dab, dab. Ouh! Allez, part ta race, là, tu sais, le mec trop énervé à 100%. Voilà. Voilà, attends, cinématique de fin, j'imagine. Oh non, l'univers va se casser. Il faut vite qu'on rentre à la maison. Le monde disparaît. Ouais, on t'embarque ton vaisseau, du coup, Magolor, ça te dérange pas? Ça me fait toujours marrer que souvent on oublie Roi Dadidou à la fin. Rayon laser, retour à Planète Pop Star. Ah, retour dans le calme. Ah. C'est dans le boss final. Et oui, c'était le petit papillon. Bah, évidemment, le petit gag sur Odididou, toujours un classique. Après, déjà, dans Mario Galaxy, c'était aussi la même chose. Ah, dessus, Odididou. Le rire de Meta Knight, hein, il faut le voir. Mais c'est vrai que j'y pense maintenant, parce que c'était la même cinématique aussi, je crois, dans la version Wii. Et du coup, je me demandais qui va conduire du coup le vaisseau. Mais ça, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? On découvrira ça au prochain épisode. Putain, j'aime bien faire des conclusions. Ah d'accord, Blood qui me spoil directement, le vaisseau est autonome, hein. Quel connard. Et ben voilà, c'était très très chouette. C'était très très chouette comme souvenir à rejouer à ce jeu. Parce que vraiment, sans ce jeu là, j'aurais pas pu connaître Kirby et tout ça. Parce que certes, Kirby, je l'ai connu avec Melee, avec Super Smash Bros, tout ça, mais aussi avec la DS, avec les R4, avec tous les trucs craqués, etc., et auxquels j'ai pu jouer à Superstar. Ultra sur la DS et aussi d'autres petits jeux, mais je crois que je connaissais que Superstar Ultra. Et j'avais joué avec la Wii, avec mon frère, ma soeur et ma famille. On s'est beaucoup amusé sur celui-là et du coup, je suis assez content de revivre ce jeu-là, solo. Mais, mais on n'y peut rien, hein. Je peux pas apporter tout le bonheur. Hein. Mais en tout cas, très bon souvenir, très bon jeu et très content d'avoir refait le jeu. Et en espérant que l'épilogue va être très intéressant.
Une belle aventure, très bon remake graphique, histoire toujours aussi qualitative, conclusion excellent. Ouais, franchement, c'était très excellent. C'était très excellent. C'est, même s'il faut faire une comparaison des autres remakes et remastered, bon, Mario, bon, ça va, je suis sympa avec eux. Il y a eu 3 jeux pour le prix d'un, même si, bon, ça change pas quelque chose. Au moins, on peut voir mieux le hub. Ça me fait marrer cette image, désolé. Et Zelda, bah, je préfère mieux le dire, mais je suis pas non plus grand fan de Zelda, mais... Mais moi, juste voir un jeu, un simple jeu pour 60€, je me dis, le 3D All-Star, il met quand même le 64 gratuitement avec Sunshine qui était excellent et le Galaxy qui est incroyable. Déjà, c'est sympa. Mais le Zelda, c'est juste un seul jeu, hein. C'est un seul jeu pour 60€, alors que le Mario, au moins, c'est 3 jeux pour 20€, quoi. Donc, ça va, quoi. Donc, Zelda, les fans de Zelda. Je préfère de vous le dire, mais celui-là, il vous double, celui-là. Ce remake-là, il vous double, hein, niveau score. Hein. Et il mérite une bonne note, même si je peux comprendre qu'il y a certains petits défauts de gauche à droite, comme par exemple le menu d'accueil auquel... Attends, le lot Mario, il est à 20€. Alors, quand je dis 20€, c'est pas là qu'en gros, il coûte 60€ de base, mais en gros, vu que je fais un petit calcul comme ça vite fait, en disant que vu qu'il y a 3 jeux dedans, c'est limite 20€ chacun, on va dire. Donc je me dis, ça va, il peut avoir pire. Hein. Parce que du coup, le Zelda, c'est quand même un seul jeu pour 60€. Hein. Et regardez, c'est un secret que j'ai pas encore découvert. Ça me fait toujours marrer, les petits logos HAL, mais que j'arrive pas à trouver. Ah oui, 3 fois 20, donc c'est rentable. Oui, en vrai, voilà, c'est rentable. Et en plus, vu que Mario 64, je pense qu'il doit être... je sais même pas s'il doit être dans le truc du Nintendo Online. Parce qu'en vrai, s'il est dans le Nintendo OLED, ça doit être un peu touillant, ceux qui n'ont pas pu prendre le 3D All-Star. Mais bon, chacun son point de vue. Et celui-là, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un très bon remake pour un jeu de Wii. Et très content qu'il y ait au moins des bonus qu'il n'y avait pas dans la version originale. Et puis, voilà quoi. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que quand j'étais petit, j'avais pas réussi le 100%. Mais là... C'est quand même le tout premier jeu auquel je fais en stream, auquel on va dire que j'ai moitié triché, on va dire, mais juste confirmation, juste. Mais au moins, j'ai 100% un jeu en un seul trait, etc. Passé sur le travail de l'équipement du développement de la version originale sur Wii. Et ça, je vous applaudis. La version Wii, je vous applaudis. Et même pour ceux qui ont fait justement ce remake. Très content. Voilà, je vais te quitter, le dodo m'appelle, je te souhaite une bonne fin de soirée, voilà. Pas de soucis, de toute façon, j'allais m'arrêter justement sur ça. Et que la prochaine fois, on fera du coup l'épilogue. Pas dans la semaine, mais voilà, on le fera dans quelques semaines. Et voilà, très content, très content, très très content. À une prochaine fois, pas de soucis. En tout cas, bravo au Vampoule, je vous connais pas, mais bien joué du coup. Encore bravo à la pour Atari. Une très bonne compagnie, même s'ils ont dû faire, je pense, quelques jeux mauvais, mais dans la majorité, c'est tous des bons. Notamment la version... Le jeu avec le robot, il faut transporter ça. Ah, attends. Ah, il me dit au revoir. Au revoir. Ça continue. Alors oui, je le cache, mais ça con. Ça con. Oh. Bloody, il s'est resté. Hein. Il voulait dodo, mais finalement, il va faire... Oh. Ah, j'ai pas fait le 100%, tiens. Il m'en reste 9%. C'est quoi cette douille? Modestra. Ah, bah ça va être... on pourrait y jouer, en vrai. Bye bye, Poyo Boy. Et du coup, pourquoi j'ai pas fait... Bah oui, bah voilà, l'épilogue, il est séparé, ok. Bah du coup, l'épilogue, on le fera. Je vais juste... 91%, on va dire, je me demande un remboursement. En plus, je veux savoir vraiment pourquoi j'ai pas eu un 100%. Genre, il fallait que je fasse des runs auxquels je meurs pas, ou ça se passe comment? Ou est-ce que c'est parce que c'est lié au parc Magoland? Ou alors, est-ce que... Ah, c'est peut-être les défis. C'est peut-être les défis à faire. Je pense que ça va être les défis. Bon, c'est peut-être pour ça. Je pense que c'est les défis. Les Easter eggs comptent sinon? Je sais pas. Je sais pas, parce que... Je pense que ça doit être venir sur les défis, sur le truc entraînement, les trucs comme ça, etc. Quoi. Je pense que ça va être ça. Ça doit être le truc dans le lore. Mais à voir, bien sûr, à voir. Je vais juste... je vais regarder s'il est dedans, on sait jamais. Hein. Peut-être qu'il est, il est encore là. Tiens, salut fils de pute. Ah là là.
Et bah, je pense que ça doit être clairement les trucs de ça et les défis qui sont à droite, du coup. Parce qu'en vrai, peut-être qu'il y en a 9. On va voir. On va voir. Parce qu'il y a ça, donc... 1, 2... Salut, salaud, comment ça? Alors, attends, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Attends, 3... 3... Et... Ah ouais, pas 3. Bah, du coup, c'est bien ça, c'est les défis. Ça, parce que là, j'ai compté, ça fait 9 en total. Donc, il doit y avoir ça à faire. Et je pense peut-être d'autres trucs en tout, mais... Peut-être qu'on fera peut-être une session défi, tiens, d'ailleurs. Je pense qu'on va faire ça. On va faire un peu de tout, en vrai. On va vraiment essayer de faire le 100%. Là, je vais à Magoland, quand même, pour compléter. Mais voilà. Regardez, le gros dragon au-dessus, là. Oui, bon, hop, les tickets. Les tickets de la douille. Mais regardez. Salut, c'est moi, le gros dragon. Hop là, le petit masque. Bon bah, au revoir, c'était un stream de qualité. Ah, merci beaucoup. T'as mis une étape du monde en ayant utilisé un souvenir. Bon, comme quoi. Mais bon. Mais pas de soucis. Bonne nuit à toi, Blood, et voilà, à la prochaine pour la suite de Kirby. Enfin, de celui-là, pour que je t'amène quelques défis, des trucs comme ça. Je vais juste regarder vite fait. Oh, trop bien, il y a des sons... Oh, il y a des sons pour Koui. Putain, c'est stylé. Ça, c'est top tier, ça, par contre. Ouais. J'aime bien le nom qu'ils ont mis. Magolor le traître. Ah putain. On peut mettre tout dedans. Hein. On peut le remplacer. Même limite, s'il y avait des trucs pour changer les textes, etc., il y aurait marqué. On peut mettre n'importe quel prénom. Hein. Hugo le traître. Voilà. Mais très très chouette. Mais voilà. Du coup, prochaine étape, on va faire. Peut-être qu'on va faire l'épilogue parce que je pense que là l'épilogue et même sur YouTube ils me recommandent la musique, donc je vais faire l'épilogue. Je pense que je vais faire l'épilogue et après on fera les défis pour compléter le 100%, comme ça basta, c'est fait. Et voilà, du coup le 100%. Ah, il y a aussi, ah oui, la reine. Oh putain, oh la reine. Oh la reine, ça va être quelque chose, hein. Tout seul, hein. Attention. Ou alors la reine, je peux laisser de côté et je peux prévoir un enregistrement très drôle avec Prover pour rigoler, mais voilà, peut-être que quand je viendrai chez lui ou un truc comme ça un jour, mais à voir. À voir de chez voir. Bref, tiens, je vais regarder les cinématiques, qu'est-ce qu'il propose quand même. Les crédits, le visiteur, les... Ouais, tous les trucs... Ah, il y a un petit cinématique caché là. Tiens, c'est bizarre. La fin. Ah, ok, il y a d'autres cinématiques. Bon, ça, je pense que ça va être avec... avec Magolor, ça. Peut-être Magolor. Ah, je sais pas comment dire. Ah, là c'est masqué. Voilà. Mais ouais, très très chouette. Très très chouette. Ce jeu-là. Et très content de le terminer dès ce soir. Hop, j'arrête. Et du coup, je vais vous souhaiter au moins une très bonne soirée. Tout ça. On se retrouvera peut-être la semaine prochaine, je verrai. Déjà, j'ai pas mal de choses à avancer, comme notamment des vidéos. Il y a déjà la vidéo de... Je vais pas dire le nom du jeu, j'ai failli le dire. Mais au moins une vidéo qui est prête pour les deux semaines. Là, il faut juste que je fasse une vidéo supplémentaire pour être tranquille et ensuite juste pouvoir préparer une journée spéciale. Voilà, je dis pas plus. Mais voilà. Et ouais, je pourrais demander à lui pour un petit truc. Mais bon. Allez, pour la peine, vu que c'était quand même une bonne fin, je vais mettre une musique pour mettre un peu l'ambiance quand même. Bon, après, bon, on a combattu quand même Bézébu, donc pourquoi je mets de l'ambiance? Allez. Bref, du coup. Merci à tous pour ceux qui ont regardé le stream. On espère voir comment ça a donné l'épilogue de Magolor. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine ou peut-être dans quelques semaines pour faire la suite et terminer à 100% Kirby. Je vous dis bonne soirée et bonne soirée. Ciao. Voilà, je l'ai dit deux fois bonne soirée, mais bon. Allez, salut.